c'est ça la question, Sarah Salman. Alors, j'étais à la manifestation lundi. Je confirme qu'il y avait beaucoup de... Oui, ce que t'allais dire. Tu peux le dire. Non, il n'y avait pas beaucoup de non-juifs, effectivement. Voilà. Oui. À Israël en raison des événements récents dont vous avez nécessairement connaissance et que je ne mets pas pour ne pas risquer de voir cette vidéo censurée. Comme vous le savez, nous pouvons apporter notre solidarité à Israël de plusieurs façons, notamment par le biais de rassemblements comme il y a eu hier avec le CRIF, mais aussi de façon matérielle. Sur le terrain, il y a des soldats qui risquent chaque jour leur vie. Et pour assurer leur sécurité, il faut qu'ils aient le meilleur matériel possible. Pour cela, je vous mets en image pour que vous voyez ce qu'il faudrait et précisément combien ça coûterait. Il y a déjà beaucoup de personnes qui ont fait des dons. Pour faire un don, c'est très simple. Et en plus, vous bénéficiez d'une réduction dans la mesure où il y a un CERFA. Donc vraiment, ça vous coûte pas grand-chose de faire un don. Et le CERFA vous est remis directement après ce processus. Il faut néanmoins écrire, on va vous demander, moi j'ai oublié de le faire quand je l'ai fait, mais il faut écrire Simrat Torah, c'est précisé dans le diapo que je vous mets ici, au moment où on vous demande de mettre un commentaire. Non mais déjà c'est l'homme qui paye toujours, quelle que soit la situation, pour moi il n'y a pas de débat sur la situation. Qu'il y a un lien très étroit entre immigration et insécurité, il y aura des atteintes aux biens qui vont augmenter. C'est pour avoir le dernier mot, j'en prends note. Non. Je m'exprime comme vous, la liberté d'expression, vous-même vous connaissez. Oui, j'ai fait des études. Voilà. Et moi j'en ai un peu marre d'être le tiroir caisse pour payer des iPhones et des vacances à ceux qui ne travaillent pas en fait. À titre personnel, je me fous complètement de l'écologie, hein, ça ne m'intéresse pas. Ah carrément? Non, non, ça ne m'intéresse pas. Moi je vois d'abord mon intérêt et éventuellement celui de la planète, donc là ça ne m'intéresse pas. Et on peut dénoncer la riposte quand elle est disproportionnée, quand elle tue des victimes innocentes. Bah, évidemment. La riposte d'Israël évidemment est tout à fait proportionnée. Mais, hein. Mais... admettons qu'un homme ne me paye pas l'addition. Je me lèverai dans le restaurant, j'irai en chercher un. Je dirai, écoutez, celui avec qui je suis ne veut pas payer. Est-ce que vous pourriez payer pour moi? Les enfants à Gaza n'y sont pour rien. Quand ils sont nés, c'est pas des terroristes. Et quand ils sont nés, ils sont pour rien à ce conflit. Est-ce qu'aujourd'hui, quand est-ce vous voyez ces enfants décédés, qu'elle dit, je suis enfant de Gaza, c'est voilà. Ça voilà. Est-ce que vous seriez capable de le dire? Non. Ben voilà.